Je m'appelle Hugo Besson, j'ai 19 ans. Là, cette année, je joue à Saint-Quentin, je joue meneur arrière. J'ai commencé le basket à Bandol dans le 83. Ensuite, j'ai suivi mon père qui était pro et après, il est devenu coach pro. Donc, on a été à Vichy, puis Rouen. Après, je suis retourné dans le sud, j'ai joué au HTV. Puis après, je suis parti ma première année de centre de formation à Antibes. Et après, j'ai fait 3 ans à Chalon. Et là, maintenant, je me retrouve à Saint-Quentin. Hugo Besson est un joueur que je suis depuis plusieurs saisons. On avait décidé de lui donner des responsabilités, du temps de jeu, une ouverture pour qu'il puisse vraiment exprimer tout son potentiel. Catchway, le meneur saint-quentinois qui donne pour Hugo Besson, qui va se faufiler. Je savais qu'en venant jouer ici, j'aurais déjà plus l'opportunité de m'exprimer, d'avoir plus de temps de jeu. Je suis direct très bien acclimaté à la ville, au club, à mes coéquipiers, on s'entend tous très bien. Là, je fais ma première année professionnelle, je pense que je la réussis pas mal jusqu'à présent. Je ne pouvais pas savoir exactement s'il allait être au niveau et même parfois dominant. Et bon, il s'avère que c'est le cas. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve Hugo Besson. Hugo Besson qui avait pris feu au match aller. Et là, il va aller chercher la faute. Et le N1, le panier est accordé. Hugo Besson. Hugo Besson. Oh là, qui a fait danser son défenseur. Très 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 gros tir d'Hugo Besson. Et nouveau rebond pour Hugo Besson sur le jeu tout terrain. Actuellement, je suis un des meilleurs marqueurs Pro B, donc c'est vraiment une grosse faculté de mon jeu. J'ai l'occasion de le montrer à tout le monde. C'était vraiment ce qu'il fallait pour justement que je sois bien exposé. Je suis un scoreur, je suis poste 1-2, mais plus je suis moins organisateur, je suis plus vraiment attiré par le panier. Je pense qu'il a un talent qui est assez à part. Il a une capacité à mettre des points, il est très facile avec le ballon, c'est un très bon créateur. Attention, oula, c'est compliqué, et Hugo Besson passé par là. Avec la faute, s'il vous plaît, Hugo Besson. Et dans la maison. Très très gros panier d'Hugo Besson là, qui reste vraiment solide au contact. Hein. Il est ambitieux, et nous aussi on est ambitieux pour lui, donc on a beaucoup d'exigences. Sur le plan défensif, sur sa capacité aussi à faire jouer l'équipe, à faire jouer les autres. Donc jusqu'à maintenant, ça se passe très bien, notamment dans le scoring, puisqu'il est un des meilleurs marqueurs de la division. Mes stats ces saisons, je m'y attendais, parce que je savais de quoi j'étais capable. Moi, après, il fallait que je le montre à tout le monde, ça, c'était le plus dur à faire, entre guillemets. Donc moi, personnellement, ouais, j'en étais vraiment, vraiment sûr. Et là, c'est l'important, c'est que j'ai pu le montrer, quoi. Et l'explosion de joie avec Hugo Besson. L'erreur de défense de Fosse qui coûte et qui le paye cash, puisque Hugo Besson donne l'avantage au meilleur des moments pour le Saint-Quentin Basketball.